Alors, à la fin de l'entretien précédent, est arrivé comme un cheveu sur la soupe le nom d'un des philosophes allemands les plus importants du 19e siècle, c'est-à-dire Schopenhauer. Ça n'est pas du tout étonnant que j'ai cité Schopenhauer à propos de Wagner, parce que, comme je l'ai mentionné très rapidement, au cours de la genèse de la tétralogie, Wagner a été confronté avec l'ouvrage majeur de Schopenhauer qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation » à partir de 1854, et ça a complètement fait chavirer, je dirais, sa représentation du monde, où il est passé d'une, pour simplifier, il est passé d'une conception optimiste du destin de l'humanité, de la vie de l'humanité, à une conception pessimiste, et qui c'est celle qui finalement est illustrée cette tétralogie qui se termine avec le crépuscule des dieux. Et la seule chose qui subsiste à la fin du crépuscule des dieux, c'est l'humanité qui se trouve complètement désemparée, les dieux ne sont plus là, et puis ce qui adviendra de nous, point d'interrogation. Voilà. Mais donc Schopenhauer joue un rôle considérable dans la pensée de Wagner, et il est une des sources de la pensée de Wagner quand il compose Tristan et Isolde. Alors, je vais donner ici un prolongement à ce que je racontais dans le dernier entretien sur le solo de cor anglais de Tristan. Tristan entend, c'est ça qui est très très étonnant du reste. Quand le rideau se lève sur le troisième acte, Tristan est allongé, il est mourant, il dort, et on entend le cor anglais. C'est un pâtre, qui joue du chalumeau, et il chante, il joue cet air triste parce que Isolde ne revient pas. Et ce qui est convenu, c'est qu'il jouera un air joyeux pour annoncer l'arrivée d'Isolde. C'est exactement ce qui est intéressant, c'est que Wagner a musicalisé l'opposition qu'il y a dans la légende médiévale de Tristan entre le bateau avec une voile noire et le bateau avec une voile blanche. Puisque dans la légende médiévale, c'est ça qui annonce si Isolde va venir. Alors, il n'a pas gardé cette image-là, mais il l'a traduite au point de vue sonore et au point de vue musical par le biais de ce que joue le pâtre. Alors, donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que Tristan est allongé, il dort. Et il va y avoir un très très beau, très long monologue dans ce début de troisième acte. Et il va nous expliquer que cet air de chalumeau, du pâtre, il l'a entendu dans son rêve. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que si on met en rapport le texte et l'action de Tristan avec, il se fait que Schopenhauer a écrit un article, et non pas un livre, il a écrit un article sur qui s'appelle un essai sur les esprits et les apparitions, et qui est en fait un texte sur sa théorie du rêve. Et dans un autre texte qu'il a fait, donc c'est cette idée de mettre ensemble les textes d'un même auteur pour essayer de creuser, d'avoir des fils pour faire l'interprétation. Il a écrit un livre sur Beethoven, dans lequel il résume la théorie esthétique de la musique de Schopenhauer. Il la résume à propos de Beethoven pour nous expliquer comment la musique est venue au compositeur via le rêve. Alors là, ça donne droit à une idée que j'ai développée dans la dernière partie du livre sur le solo de cor anglais de Tristan. C'est de faire la démonstration que ce solo de cor anglais est un microcosme de la musique que compose Tristan. Vous me direz que compose Tristan, il n'est pas compositeur. Bien oui, ce que je soutiens à la fin de ce livre, c'est d'interpréter le personnage de Tristan comme étant le compositeur de Tristan.
Et c'est pas du tout, je ne force pas du tout le texte. Il y a un passage de la toute fin de l'opéra dans laquelle Isolde s'adresse à Tristan et elle dit que la musique sort de son corps, n'est-ce pas ? Et qu'elle-même est l'inspiratrice, elle se décrit elle-même comme l'inspiratrice de Tristan, comme l'inspiratrice du compositeur. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment l'œuvre wagnérienne est en quelque sorte, a aussi comme objet, non seulement de nous raconter le mythe de Tristan Isolde, non seulement le mythe des Nibelungen, de Wotan et de tous ces personnages de la mythologie germanique, mais c'est aussi de nous montrer que c'est un mythe sur la, c'est une œuvre sur la création artistique elle-même. C'est d'ailleurs une idée qui n'est pas, qu'on trouve aussi chez d'autres auteurs. Je vous rappellerai chez Baudelaire, il y a un poème qui s'appelle Eotantimorumenos, dans lequel cette idée du poète qui met en scène le poète dans le poème lui-même. Et puis il y a surtout quelqu'un qui est très très proche de Wagner du point de vue de la pensée, c'est Marcel Proust, parce que si vous lisez bien À la recherche du temps perdu, vous savez que c'est l'histoire d'un le narrateur, c'est quelqu'un qui passe sa vie à se demander s'il sera capable d'écrire un roman, n'est-ce pas ? Et quand on arrive à la fin du livre, on comprend que le livre qu'il veut écrire, c'est celui que nous venons de lire. Hein ? Donc le serpent se mord lui-même. Et plus près de nous, vous avez une œuvre cinématographique, alors très très importante, qui est exactement fondée sur la même idée. C'est le 8,5 de Fellini. Le 8,5 de Fellini, c'est l'histoire d'un réalisateur qui n'arrive pas à faire son film, et on comprend à la toute fin que le film finalement qu'il va faire, c'est celui que nous venons de voir. Exactement le même schéma. Alors d'où cette idée d'essayer de voir en quoi l'œuvre, par le biais de métaphores, je dirais même par le biais d'allégories, je vais y revenir, est capable de nous parler d'elle-même. Hein. Et de ce fait, je vous signalais la dernière fois que même je me suis risqué à le chanter pour vous essayer de le faire comprendre, que Wagner, qui avait théorisé la notion de mélodie infinie, une mélodie qui ne meurt jamais, une mélodie qui, etc., précisément, ces 42 mesures du solo de cor anglais de Tristan sont un microcosme de la mélodie infinie. Cette petite pièce est un microcosme de la création musicale wagnérienne. Alors c'est ça, évidemment, je débouche avec une idée comme ça, je termine le livre là-dessus parce que plomb, 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 c'est jouissif hein, quand même d'arriver à ça. On a complètement quitté les abstractions de l'analyse paradigmatique extrêmement austère des 130 premières pages pour arriver sur quelque chose qui nous ouvre sur un élément très très profond de l'imaginaire du compositeur. Alors en fait, je vous ai dit tout à l'heure que ce livre était publié récemment, en 2013. C'était l'aboutissement de recherches qui se sont étalées dans le temps sur ce solo de cor anglais, mais c'était aussi un retour à une préoccupation que j'ai eue, que j'ai exprimée dans un ouvrage antérieur qui est au fond fondé exactement sur à peu près la même idée. C'est un livre qui s'appelle Wagner Androgyne. Alors, ce Wagner Androgyne, c'est un... Pourquoi Wagner Androgyne ? Alors ici, pour les anthropologues qui aiment les analyses de mythes, on va être gâtés, n'est-ce pas ? Wagner a écrit parmi ses essais théoriques, il y a trois essais extrêmement importants, dans lesquels il essaie de faire la théorie de l'œuvre d'art totale, c'est-à-dire de montrer que l'œuvre d'art, ce qu'il appelait modestement l'œuvre d'art de l'avenir, ça doit être quelque chose qui crée la fusion entre la danse, la poésie et la musique. Mais alors, quand on regarde de près, ce qui m'est arrivé, alors c'est pour ça que c'est la chance que l'on peut avoir de mettre en rapport des textes qui, a priori, ne seraient pas mis en rapport. C'est ce qui m'est arrivé pour Schopenhauer et le solo de cor anglais de Tristan, de relire l'essai de Wagner sur l'essai de Schopenhauer, pardon, sur les apparitions,
de relire l'essai de Wagner sur Beethoven où il fait la théorie du rêve chez le compositeur et de s'apercevoir que ça, il l'a incarné dans le solo de cor anglais. Donc, que les textes théoriques et l'œuvre se correspondent. Il s'est produit exactement la même chose à propos du Wagner, essentiellement, là encore, de la tétralogie et non plus de Tristan. Ce que Wagner fait, c'est que dans un de ses essais où il fait donc cette théorie de ce que l'on appelle l'art total, avec la fusion des trois formes constitutives de l'opéra de son époque, il y a une chose étonnante. Wagner développe sa théorie, et puis brusquement, il passe au récit d'un mythe, sans aucune espèce de transition. Et ce mythe, c'est un projet d'opéra qu'il n'a pas mis en musique, qui s'appelle Wieland le forgeron, dans lequel un forgeron est amoureux d'une valkyrie. Donc, dans ce mythe dont il projetait de faire un opéra, Wieland apparaît comme la préfiguration de Siegfried et Schwanhild, la préfiguration de Brunhild, qui est le personnage féminin dont Siegfried sera amoureux. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, je dis, pourquoi le texte de ce mythe, sans commentaire, sans transition, nous est-il présenté à la fin du discours purement théorique de Wagner sur ce que doit être une œuvre d'art totale? C'est très très simple, si j'ose dire. C'est que à ce moment-là, Wieland apparaît comme l'incarnation du poète et Schwanhild comme l'incarnation de la musique. C'est-à-dire, on a à ce moment-là la preuve que pour Wagner, il pouvait y avoir un lien entre les textes théoriques et les œuvres d'art elles-mêmes. Maintenant, c'est une relation transitive, parce que Wieland étant la préfiguration de Siegfried et Schwanhild la préfiguration de Brunhild, la tentation était fort grande de se dire, est-ce que par hasard, ces deux personnages de la tétralogie ne seraient pas l'incarnation de la poésie et de la musique? Alors, dans le cas de Siegfried, c'est très très simple, parce que comme c'est un forgeron, et que le forgeron dans Siegfried, Siegfried comme forgeron est décrit très précisément comme l'artiste créateur qui forge. Il forge son épée comme le poète forge son poème. Et là, ce qu'il faut aller regarder, c'est les textes, c'est les mots qui sont choisis, c'est les images qui sont choisies et qui font que les analogies deviennent évidentes. Brunhild aussi, qui apparaît comme étant l'incarnation de la musique. Alors, vous me direz, où est l'androgynie dans cette histoire-là? Elle est fondamentale. C'est parce que dans le texte des essais théoriques, Wagner nous dit que le poète est celui qui engendre l'œuvre d'art de l'avenir en fécondant la musique, n'est-ce pas? Alors, où est l'androgynie? On n'y est toujours pas. C'est simplement que Wagner, après Jean-Jacques Rousseau, est le premier très grand compositeur à être l'auteur à la fois du poème, du livret de ses opéras et de la musique. Donc, il se décrit lui-même comme un créateur androgyne qui incarne en lui le masculin et le féminin. Et comme par hasard, c'est cette fusion du masculin et du féminin qui se trouve être illustrée en particulier dans le grand duo d'amour de Siegfried et de Brunhild au cœur de la tétralogie. C'est cette fusion du masculin et du féminin qui est au cœur du duo d'amour de Tristan et Isolde également. C'est une figure absolument fondamentale chez lui. Alors, les coïncidences de texte, les essais théoriques, le mythe de Wieland, le livret de la tétralogie. On met tout ça ensemble et ça donne, mis en rapport avec l'image de l'androgynie, ça nous donne une cohérence extraordinaire. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être davantage, c'est-à-dire que je reprends toute l'histoire de la tétralogie à partir du début. Le premier opéra s'appelle L'Or du Rhin. Et dans L'Or du Rhin, il y a trois filles du Rhin. On constate très très vite, et ça avait été dit avant moi, il a suffi que je reprenne l'analyse qui avait été faite par un collègue allemand, un musicologue. Je reprends les descriptions des trois personnages dans le début de L'Or du Rhin. Et les trois filles du Rhin sont respectivement
l'incarnation de la danse, de la poésie et de la musique. Et alors là, il y a autre chose qui se dessine. C'est que la tétralogie, c'est plus seulement le mythe des Nibelungen, de Wotan, des divinités germaniques. C'est aussi le mythe, c'est l'image mythographique ou mythologique de l'opéra, de l'œuvre d'art totale telle que Wagner l'a concevée. Et à ce moment-là, on peut faire une réinterprétation de toute la tétralogie par rapport à ce schéma. C'est-à-dire, ça commence avec les trois filles du Rhin, qui vivaient dans une unité absolument extraordinaire. À l'origine, les trois filles du Rhin, où la danse, la poésie et la musique, elles étaient incarnées, elles incarnaient l'unité primitive de l'art. Vous avez toutes sortes de développements de Wagner sur l'idée que dans les temps anciens, chez les Grecs, la tragédie ancienne, antique, n'est-ce pas, c'était l'unité de toutes les composantes de la tragédie. Vous avez exactement cette idée, mais alors qui se trouve être incarnée par les trois filles du Rhin. Puis vous avez le salopard qui vient voler l'or du Rhin, n'est-ce pas ? C'est Alberich, et alors là, ce que j'avais pu déjà démontrer à l'époque, ce que Alberich vient faire, c'est qu'il vient rompre l'unité entre les trois sœurs. Mais Alberich n'est pas n'importe qui. Alberich, c'est l'incarnation du juif. C'est le personnage qui, d'abord, il veut se saisir de l'or, c'est un spéculateur, hein. Il va voler l'or au Nibelung, il va écrabouiller son petit frère, il va tasser dans un coin son petit frère pour prendre le pouvoir, il veut dominer le monde. Et là, vous avez un autre axe de réflexion qui était tellement fort pour moi que ça a donné lieu à un livre qui doit sortir en novembre 2015. Il sera peut-être sorti lorsque les personnes qui regarderont ces vidéos le feront. Eh bien, c'est un bouquin auquel j'ai consacré les trois dernières années de mon travail d'écriture. C'est Wagner antisémite, n'est-ce pas ? Mais ce Wagner antisémite, là encore, la source de ce livre, qui est un gros, gros bouquin qui passe à travers tous les problèmes de l'antisémitisme chez Wagner. Donc c'est un gros ouvrage, l'analyse des textes théoriques, la biographie, la correspondance, tout y est, n'est-ce pas, à sa source dans cette découverte que j'avais fait que le Alberich qui vient détruire l'unité des origines, c'est le juif, mais c'est pas n'importe quel juif. On regarde la musique, et ce que Wagner a fait dans la musique d'Alberich, c'est de parodier, pour s'en moquer, la musique de Meyerbeer. Qui est Meyerbeer ? C'est un compositeur complètement oublié aujourd'hui. On joue de temps en temps un opéra de lui au Metropolitan Opera à New York. Mais enfin, il est complètement sorti du répertoire. Alors qu'au 19e siècle, Meyerbeer était le compositeur d'opéra qui était joué dans toute l'Europe. Donc, les œuvres ont eu des centaines et des centaines de représentations partout. Et alors, il y a une rivalité, une jalousie extraordinaire qui est née. C'est-à-dire que Wagner, il a d'ailleurs tout à fait raison, considérait qu'au point de vue musical, Meyerbeer, c'était un nul. Mais il ne pouvait absolument pas supporter que quelqu'un dont il désapprouvait l'esthétique de compositeur puisse avoir autant de succès. Et comme par hasard, c'était un juif, et c'est une des sources fondamentales au niveau biographique du développement de l'antisémitisme de Wagner. Mais ça, j'ai pu l'établir, au point de vue méthodologique, j'ai pu l'établir par deux choses, les coïncidences entre les textes, mais aussi j'ai mis la musique en jeu. C'est-à-dire que la musique qui accompagne le rôle d'Alberich, c'est une parodie, c'est une parodie de Meyerbeer. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Dans le deuxième acte de Siegfried, donc la tétralogie, il y a quatre ouvrages, hein, pour que ça soit clair pour les personnes qui m'écoutent. Il y a l'Or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried, le Crépuscule des Dieux. Dans Siegfried, à un moment donné, Siegfried a été élevé par Mime. Et qui est Mime ? C'est le frère d'Alberich. Il a été élevé par un juif. Je vous laisse le problème, je laisse de côté le problème du problème de la parenté de Wagner, qui est aussi dans le portrait. Parce qu'on pense que Wagner a été le fils naturel de l'amant de sa mère, de la mère de Wagner. Et il y a l'hypothèse, véhiculée par Nietzsche,
ça n'est pas rien, que l'amant en question était un juif. Alors, ça fait des strates d'interprétation, de si on met la psychanalyse dans le portrait, d'ajouter ça à toute la problématique de Wagner antisémite, ça fait vraiment beaucoup de niveaux superposés. Je ne rentre pas dans ce problème-là en particulier. Par contre, dans le Siegfried, Mime a élevé Wagner, pardon, je m'excuse, lapsus intéressant, Mime a élevé Siegfried, et tout ce que veut faire Mime, c'est de récupérer l'or du Rhin et l'anneau, parce que Alberich a été tassé dans un coin, etc. Donc il veut essayer de le récupérer. Alors ça, c'est aussi la petite découverte qu'il y a dans mon Wagner antisémite, donc à venir. Il y a un air de mime que là aussi je vais vous le chanter. Etc. Eh bien, lorsque Wagner écrit son trop fameux texte qui s'appelle La judéité dans la musique, dans laquelle il brocarde, il se moque de la musique des juifs, du chant des juifs, n'est-ce pas ? Il parle très très clairement de ce qu'il appelle les glapissements de synagogue. Les glapissements de synagogue, je viens de vous les faire entendre, n'est-ce pas ? Alors, j'avais cette hypothèse-là depuis longtemps, j'en avais parlé dans Wagner Androgyne, mais depuis, en ayant fait des recherches, je les ai trouvés, les chants de synagogue que Wagner a parodiés. Alors, je les ai trouvés grâce à une thèse. Il faut vraiment fouiner. Alors, avis aux étudiants, hein. Il faut absolument tout lire. Et alors, j'ai failli passer à côté. C'est pas mon avantage, ce que je raconte, mais heureusement, j'ai pas fait l'erreur. Vous avez deux grandes bibliothèques ici, ça ne sont que des ouvrages sur Wagner. Hein. Et quand j'ai écrit mon Wagner antisémite, le lit qui est par là, était couvert de tous mes ouvrages sur Wagner. Et j'avais une thèse de c'est même pas une thèse de doctorat, c'était une espèce de maîtrise améliorée que m'avait envoyée un étudiant américain il y a 10 ans. Je ne l'avais pas lue. Alors, elle était là, sur le lit, là. Et puis, à la toute fin de la rédaction de Wagner antisémite, je dis, je vais quand même aller regarder ce qu'il a fait. Eh bien, dans cette maîtrise, et le gars n'a jamais publié d'article, il ne l'a pas publicisé, il a trouvé les chants juifs qui sont à l'origine de l'air que j'ai tenté de vous chanter il y a un instant, n'est-ce pas ? Alors, je remets, avec son autorisation, son idée en circulation. Je suis allé les chercher les textes dont il s'est inspiré, les transcriptions musicales, et toc, je les publie dans Wagner antisémite. Il y a les coïncidences entre textes, mais il y a aussi, quand on travaille sur la musique, la nécessité d'aller creuser ce que la musique doit nous enseigner. Et ça, évidemment, il faut avoir la compétence technique pour le faire. Mais on ne peut pas. Il y a des gens qui font de l'histoire de la musique sans jamais citer une note de musique. Ça existe dans mon métier. Hein. Je peux même vous dire qu'il y a des professeurs de musicologie dans un pays européen que je ne citerai pas, où les profs sont des profs de musicologie, mais ils ne connaissent même pas le solfège parce qu'ils font de l'histoire pure. Bon. Moi, je dis que pour faire de la musicologie sérieuse, il faut aller voir ce que la musique pourrait nous enseigner. Eh bien là, dans le cas de l'ère de mime, c'est très lourd. Et je terminerai alors avec un dernier exemple à ce sujet-là, que j'aborde aussi. Ça n'est pas moi qui ai fait cette découverte, mais je la réintègre au milieu de tout le reste. Il y a l'autre opéra de Wagner, qui est une comédie, qui s'appelle Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg. Dans Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, Wagner met en scène un personnage qui s'appelle Beckmesser, et qui a un nom bien caractéristique, très, très pointu comme ça, Beckmesser. C'est celui qui se permet de juger de la musique des autres et considérer qu'est-ce que c'est que les musiques qui obéissent bien aux règles, etc. Alors, première chose, c'est que Beckmesser, il apparaît, même si ça a été fortement contesté par la musicologie allemande, par certains musicologues allemands, je dois dire, parce qu'évidemment, c'est très ennuyeux, n'est-ce pas ? C'est que c'est l'autre personnage fait à l'image du juif chez Wagner. Les juifs de Wagner, c'est Alberich et Mime dans la tétralogie.
C'est, j'aurai pas l'occasion d'en parler, mais c'est aussi les deux personnages du Parsifal, de son dernier opéra. Et c'est le Beckmesser des maîtres chanteurs. Alors, ce qui a été démontré par un musicologue brillant, d'ailleurs, britannique, c'est que la sérénade que Beckmesser compose et chante en espérant séduire, toute l'intrigue tourne autour de la jeune femme qu'il faut courtiser et qu'on veut séduire, n'est-ce pas ? Cette sérénade de Beckmesser, c'est une caricature de prière juive. Alors, l'auditeur d'aujourd'hui ne peut absolument pas s'en rendre compte. Pour une simple raison, c'est que la liturgie musicale juive du 19e siècle, nous n'y avons plus accès. Et même des gens de confession juive ne vont pas le reconnaître. Alors là encore, faisons des recherches approfondies. On dispose, je vous ai dit qu'on avait les 10 volumes de ses écrits, on a les 20 volumes et plus de sa correspondance, et puis il y a un document qui est extraordinaire, c'est le journal que sa deuxième épouse, qui s'appelait Cosima Wagner, qui était la fille de Liszt, a écrit. C'est-à-dire à partir du moment où elle s'est installée avec Wagner en 1869, si ma mémoire est bonne, jusqu'à sa mort, il y a entre 30 lignes et 3 pages sur chaque jour de la vie de Wagner. Alors, évidemment, vous vous doutez que les wagnérologues ont passé... Alors, c'est pas érotique comme lecture, hein, parce que des informations, il y a une information capitale qui tient en une demi-ligne, puisqu'elle elle écrit comme ça au jour le jour, puis à un moment donné, on lit ça, on dit « Ah !» On craque, « Oh là là là, mais c'est formidable ce qu'elle écrit là !» Puis toc, on part vers autre chose. Alors, une des choses extraordinaires qu'elle dit, sans se rendre compte de ce qu'elle dévoile, c'est que les membres de la communauté juive de Berlin, lorsque les maîtres chanteurs de Nuremberg ont été joués pour la première fois à Berlin, après la création qui avait eu lieu ailleurs dans le sud de l'Allemagne, ce que la communauté juive a sifflé et a hurlé contre le deuxième acte des maîtres chanteurs au moment où il y a la sérénade. Pourquoi ? Parce qu'on est dans les années 70, ils ont reconnu la prière juive. Et alors, je penserais que Wagner ne lui avait pas dit. Un petit peu naïvement, elle écrit dans son journal, ils ont prétendu que la sérénade de Beckmesser, c'était une vieille chanson juive. Alors là, on a trouvé le texte. Ce chercheur britannique a trouvé la prière d'origine. Et ça, il n'y a aucun doute, Beckmesser, le juif Beckmesser, chante une caricature de prière juive.